L'affection se lit sur le visage de M. Gilbert Rousset et on le comprend. Thierry Schwecharme vient de réaliser son pari, Gilbert, malgré avoir manqué ce temps d'arrêt et perdant quelques longueurs au départ. Il s'en va, il prend le commandement et puis il résiste jusqu'au bout. Et de quelle manière? Oui, je dois dire, c'était une course, un peu, je ne sais pas quoi vous dire. Tout n'a pas fonctionné, je crois, pour tout le monde, comme on voulait. Thierry Schwecharme a manqué le départ, il y a un autre qui a manqué le départ, il est parti pour reprendre le commandement. Nadine Settle a beaucoup hang in all the way. Anyway, le principal, c'était une belle joute dans l'emballage final. Et Thierry Schwecharme, je dois dire, là, pour ce qu'il a fait aujourd'hui, là, c'est le dit chapeau. Alors, c'est vrai que notre consultant, Nettie Nekrad, nous disait, après sa dernière course, qu'il n'allait jamais plus pronostiquer contre lui. Et aujourd'hui, même s'il montait un palier et dit « je choisis Thierry Schwecharme », il a eu raison. Alors, c'est un cheval, c'est vrai qu'on dit que plus il va monter sur la distance, plus il sera meilleur. Mais malgré tout, sur 1600 mètres, Gilbert, il a de quoi damier le pion au meilleur. Oui, son gros avantage, comme vous dire, sur les parcours plus allongés, il prendra, le commandement beaucoup plus facilement. Là, aujourd'hui, il a monté d'un palier. Ce qu'il a fait aujourd'hui est extraordinaire. Et cette seconde accélération est quand même incroyable. Alors là, je dois dire bravo à Derek David. Je n'étais pas trop d'accord. Moi, j'avais une petite préférence pour Nadine Seattle. Il a préféré l'autre. Bravo à tout le monde, bravo à toute l'équipe, à Sud-Est, les propriétaires, et voilà. Alors la dernière, à nouveau, Gilbert, toujours pas facile de débuter contre des chevaux qui connaissent bien le rouage. Il y a la piste, il y a le public qui est très près. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre de celui-ci, puisque il y a eu quelques nouveaux chez vous qui ont eu besoin de la course. Est-ce que vous pensez qu'il peut être à l'arrivée ou il y aura peut-être besoin de cette course? Écoutez, je m'attends à ce qu'il soit sur le podium. Le cheval a très bien travaillé, il nous a donné entièrement satisfaction. Mais comme vous venez de dire, de débuter, ce n'est pas évident. Surtout quand il y a Jiggery Pokery qui a déjà une course, une belle course dans les jambes. Je crois que ça va être le cheval à battre, mais je m'attends à une très bonne course de The Deacon. Eh bien, merci Gilbert. En tous les cas, un grand, grand bravo pour cette très, très belle victoire de Thierry Schwecharme, la troisième victoire consécutive de ce magnifique coursier. Sur ce, on retrouve Rajiv et Jux. C'est à vous, messieurs.